c'est Dora. Je pars chez le dealer avec mon ami Babouche pour acheter de la drogue. Même si je suis déjà défoncée, le dealer habite par là-bas. Regarde. Je suis la carte et Dora se drogue. Du coup, elle l'entend parler. Oh yeah. Et oui, je suis la carte et tous les deux, nous allons pouvoir aider Dora à aller jusqu'à la maison du dealer pour se procurer sa drogue. Mais avant, de nombreuses aventures nous attendent. Ne perdons pas de temps. En route. Babouche, regarde par là-bas, il y a un objet étrange. Oh, on dirait un double sextoy pour se mettre dans l'anus et dans le vagin. Si tu veux mon avis, tu as raison, une main par orifice. Est-ce que tu as déjà utilisé un sextoy? Car si tu veux, je peux t'expliquer comment ça marche. On peut même t'expliquer tous les deux simultanément si tu veux. Oh yes! Il suffit simplement de te... Ça a encore plus d'effet quand nous sommes défoncés. Testons donc. Oui, mais dans l'intimité, les amis. Oh, des papillons psychotropes. À ce qu'il paraît, si on lèche leurs ailes, on est défoncé. Mais attention, certains sont toxiques. Notre ami l'étoile télémagique va nous montrer ce qu'ils le sont. Il ne faut donc pas le lécher. Lâche-moi. Il essaye de nous convaincre de le lécher alors qu'il est toxique. Mais il ne faut pas car il est toxique. Répétez après moi. Nous ne te lâcherons pas car tu es toxique. Nous ne te lâcherons pas car tu es toxique. Nous ne te lâcherons pas car tu es toxique. Nous ne te lâcherons pas car tu es toxique. Ah non, je suis démasqué. Oh, les ailes de papillon, ça défonce trop. J'ai des hallucinations terribles. Oh, je suis trop déchiré pour pouvoir marcher. Il nous faut une voiture. Appelons Dermiste, notre ami taxi. Dermiste conduit perpétuellement bourré. Drunk driving. Et il aime conduire à toute vitesse. Regarde, le voilà. Dermiste, peux-tu nous conduire chez le dealer? Nous te dédommagerons. Ok, mais je vais en chien pour le manger. Montez en voiture. Mettons-nous notre ceinture Assface en anglais. Let's go to the dealer's place. Démarre, Dermiste. Oui, à toute vitesse. Oui. Oh, les pupilles de Babouche sont dilatées, ainsi que les miennes. C'est à cause de la drogue que nous avons pris qui fait cet effet. Observe pendant ce plan fixe. Chauffeur, si t'es champion. Ah oui, sur le champignon. Oh ouais, ça va trop vite. Merci, thank you so much. De rien, mais vous me devez un chien. Goodbye. Allons vite donner l'argent qu'il y a dans ce paquet au dealer. Mais avant, nous devons traverser la forêt d'arbres mangeurs d'enfants. Shit eater en anglais. Et si tu ne danses pas quand tu traverses, ils te mangent. Apprends avec nous la chorégraphie des arbres. Mets-toi debout comme un i. Si tu es handicapé, tu ne peux pas le faire. Bouge les bras comme un goéland. Si tu es handicapé, tu peux quand même le faire. Mais tu vas mourir. Tout à fait, ça ne suffit pas de bouger les bras, il faut aussi être droit, sinon les arbres te mangent et ils te digèrent. Traversons la forêt, Babouche, allez! Dansons pour ne pas mourir. Oui, vite, de la balle. Nous sommes bientôt arrivés au bout de notre périple, Dora. Il ne nous reste plus qu'à trouver la maison. Elle est derrière ces cons d'oiseaux. Regarde là-bas, elle a apparu, Babouche. Il ne nous reste plus qu'à monter le sentier et échanger de l'argent contre de la drogue avec le dealer. Oh, mes amis, le couple de dealers! Ton cul m'a manqué, Babouche. J'ai apporté de l'argent à échanger contre de la drogue. J'espère que vous en avez plein, car j'ai pris tout mon...
mon porte-monnaie. Voilà, c'est la fin de notre aventure. Et nous avons même trouvé un chien pour Dermiste. Pardon, j'avais lagué. La morale de cette histoire, c'est que qui cherche de la drogue la trouve. Et que même avec des dessins pourris, on peut faire plein d'argent. Voilà, l'épisode est fini. Nous, on va aller prendre un rail maintenant. Le chien va finir mangé par Dermiste. Youpi. Garrick prod.